Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, encore nouveau craquage. Toutes les semaines, je me répète, mais à chaque fois, j'ai une bonne raison. Moi, je vois ça comme, tu sais, à l'époque, les cartes Magic, où tu mettais de l'argent pour acheter des boosters, ou même sur Hearthstone, hein, j'ai mis pas mal de thunes pour avoir des bonnes cartes. Hein. C'est quand tu aimes un jeu, il faut s'investir. Pourquoi je craque? Tu as le SSJ3 Gotenks, le God tier pour le tech, que je veux absolument, évidemment, hein, parce que je suis parti pour les collectionner tous. Pour l'instant j'en ai 3. J'ai le Super Végéto, j'ai le Broly Endurance et le Buhan pour l'intelligence. Et puis le nouveau Freezer est vraiment intéressant. Je ne dirais pas non. Je manque cruellement de bloqueurs dans ma collection. J'aimerais bien avoir au moins un des deux Golden Freezer, le AJ ou le Tech. Alors voici les unités qu'on peut espérer obtenir à travers ce portail. Il y a du très très lourd quand même, hein. Donc on commence par le nouveau Golden Freezer. Quand on a plus de 50% de points de vie, il bloque les dégâts à hauteur de 50%. Et puis il a un boost d'attaque de 50% également. Il est dokanable, hein. Il y a son Dokkan Event qui est en parallèle. Donc une fois que tu la dokan, le blocage passe à 70% de blocage au niveau des dégâts. Et puis un petit boost d'attaque de 70%. Donc en gros il est fumé, oui. Comme toutes les nouvelles cartes qui arrivent là, c'est souvent des cartes assez fumées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oula, ça bug. Oula. Le jeu bug. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu ne refuse de se lancer. On a le Goku, le SSJ3 Gotenks God Tier. Donc voilà, hein, attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale. Il a 3. Je crois qu'il a 3 attaques spé, si je dis pas de conneries. Le premier inflige des dégâts immenses. Le deuxième inflige des dégâts immenses plus vous bénéficiez d'un boost d'attaque. Le troisième fait juste des dégâts énormes, je crois, et réduit grandement la défense de l'adversaire. Ensuite, on a le nouveau Beerus. Enfin, le nouveau, il existe depuis déjà plusieurs mois. Mais voilà, c'est le Beerus nouveau par rapport à la globale. C'est un SSR. Il a la particularité de se transformer quand les PV passent en dessous de 30%. Il se transforme comme un Ozaru, en fait. Hein. Il devient. Enfin, le principe reste identique au Ozaru. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Celtec que je rêvais avoir avant et que maintenant je m'en fous un peu parce que j'ai le Goku, le Vegeta Divin Tech qui fait plus de dégâts, c'est un meilleur nuker. Le Golden Freezer, un bon petit bloqueur, toujours une valeur sûre, une unité parfaite pour dans une team full AJ. Ensuite on a le Golden Freezer Intelligence qui existe déjà, qui est pas super intéressant, même Dokkan il est pas... Il a un petit boost au niveau de l'attaque, mais voilà, c'est pas cette unité que je recherche. Je l'ai déjà le Super Gotenks. Je l'ai déjà le Goku Intelligence, enfin Goku Divin Intelligence. Je l'ai déjà ce Beerus. Il m'intéresse pas du tout ce Cell. J'ai déjà ce Goten plusieurs fois. Alors ce Trunks, je ne dirais pas non. Il m'en manque quelques. Enfin, je crois que je suis à attaque P2 seulement. Donc voilà, si je peux en avoir quelques-uns, je ne dirais pas non. Mais voilà! Je vise surtout le God Tier, hein, où est-ce qu'il est, le SSJ3 Gotenks. Bon allez, c'est parti les amis, on croise les doigts, taux de drop de SSR 7%, c'est quasiment le même que Buhan. Donc voilà, on y croit sincèrement. Pas mal de capsules. Aïe aïe aïe, il se transforme. Est-ce qu'on aura droit à un petit SSJ3? Je vais peut-être baisser un peu le son. Non, pas de SSJ3. Oh! 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 C'est lequel? C'est le... Non! Pas lui! Non! Non! Bon, c'est un SSR, mais c'est pas celui que j'attendais. Ah! Bon. Ah, j'espère que ce sera pas le seul. Ça commence bien en tout cas. Ah, ce SSR, je ne l'avais pas. Parfois, je découvre des SSR, en fait. Bon, celui-là... 1, 2, 3... Le Gohan qui va finir en point. Oh non, pas ce Goku. Oh non, pas le troll. Ah non, là je claque de l'argent. Pas de troll maintenant. Pas de R, pas de troll s'il vous plaît. Oh non, les nails. Moi je faut arrêter avec les nails là. Ça fait beaucoup de R là quand même, hein. Je l'ai déjà ce Piccolo, donc pareil, encore un doublon. Oh là là. Ça sent le seum. Et oui, ça sent le seum de ouf là.
Premier SSR direct, mais c'est pas celui que j'attendais. Vraiment, il est pas terrible celui-là. J'ai déjà une grosse team intelligence. Il a rien de particulier. Il a un boost. Une fois que tu as Dokken, son attaque passe à 60%, je crois. Mais voilà, c'est pas ouf quoi. C'est pas un bloqueur. Moi, le Golden Freezer, enfin, les seuls Golden Freezer qui m'intéressent, ce sont les bloqueurs. Parce que après le reste, voilà, c'est pas un cogneur quoi. C'est. Voilà, déçu. Bon, allez, on enchaîne. On va pas se laisser abattre. Allez, lâche-moi le SSJ3, mon petit Namco là. 3, 4, 5. Une pluie de météores, de capsules et petit arc-en-ciel. Est-ce qu'il va se transformer? Non. On a l'arc-en-ciel donc on peut espérer quelque chose du portail. Non. Non. C'est de la merde. Non plus, j'aurais aimé avoir la version Ozaru. Oh non, je l'ai déjà. J'ai plus besoin de guerrier divin. Je dois avoir l'attaque SP 8 ou 9 maintenant. Ouais, mais non, faut arrêter là, arrêter avec les doublons. Bon, ça va, c'est fidèle. Ah non, c'est toutes tes conneries, c'est pas la version qui se docane. Donc poubelle. Ah ouais, encore un R. Oh oui! Non, je l'ai, punaise, je l'ai. Je l'ai déjà deux fois, punaise. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, ça picote là. Allez, un deuxième. Non, pas un Shaozu. Aïe, 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 un doublon, encore un doublon. Ah, ça fait mal là. Bon, les amis, on baisse pas les bras, on continue. On espère cette fois-ci qu'il nous lâche le SSJ3. Je le veux, je l'aurai. Je l'aurai un jour, comme dirait la Pumaf. Je l'aurai. Oula, ça bug de ouf là. Oula, je sais pas si ça. Oula. Ça bug de ouf. Est-ce que je devrais pas. Alors, nous sommes quelques jours plus tard. Quand j'ai voulu faire le montage, j'ai remarqué quelque chose. Le fichier était corrompu. Pourquoi il est corrompu? Parce que quelqu'un a oublié de vérifier s'il restait de la place sur le disque dur lorsqu'il a fait l'enregistrement. Et ouais. Alors, du coup, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai obtenu. A ton avis, est-ce que j'ai obtenu le SSJ3 Gotenks Gotier? Eh ben non, je ne l'ai pas eu. Je suis dégoûté. Mais j'ai obtenu le Golden Freezer Tech. T'imagines bien que j'ai hurlé de joie hein, quand j'ai obtenu cette carte parce que je n'ai pas de bloqueur sur le compte japonais. Désormais, je dispose peut-être d'un des meilleurs bloqueurs du jeu. Donc le Golden Freezer Tech, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Alors déjà, il a le passif typique des demi-god tiers, c'est-à-dire qu'il a le même passif, enfin je parle du passif leader. Il a le même passif leader que le Goku Kaioken, enfin le Goku divin Kaioken. Donc il augmente de 100% l'attaque, les PV, la défense de toutes les unités de type tech. Ce qui est intéressant au niveau de son passif personnel, c'est qu'il a le même passif que celui du Golden Freezer. Il réduit les dégâts. Alors la réduction est moins intéressante hein. Une fois que tu l'as Dokkan, la réduction de dégâts est à 70%. Tandis que le Golden Freezer, une fois que tu l'as Dokkan, la réduction passe à 90%. Mais voilà, je te dis honnêtement, arriver à ce niveau là, entre 70 et 90, c'est pas folichon, tu vois. C'est genre prendre moins de 10 000 PV par coup contre un boss, c'est très bien, tu vois. Enfin même je dirais moins de 5 000. Par contre, là où le Golden Freezer Tech est supérieur au Golden Freezer AJ, c'est qu'il a un boost d'attaque de 70%, ce qui le rend beaucoup plus intéressant parce que c'est à la fois un bloqueur et un petit cogneur. Hein, 70%, c'est la base de quasiment tous les. Enfin, d'une grande partie des SSJ3 Saiyan. Et puis, quand tu lances l'attaque SP, il réduit grandement la défense de l'adversaire. Et en plus, il inflige des dégâts immenses, donc ce qui le rend vraiment très très intéressant. Alors niveau lien, rapidement, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a un boost d'attaque de 15%, un ki plus 2 ok, je sais plus comment ça s'appelle ce lien. Encore un boost d'attaque de 15% pour les unités issues du film La Résurrection de Freeza. Attaque plus 700%.
Donc du coup, tu vois, il est intégrable dans une team avec des Saiyans divins. Qui plus 2 encore. Ah, mais ça, c'est réservé au Freezer. Enfin, au Freezer et son frère. Vitesse époustouflante, du coup, bah, ça permet de l'intégrer encore une fois dans une team Saiyan. Parce que vitesse époustouflante, il y en a quelques-uns qui l'ont. Tu vois, il y a le SSJ2 Gohan, les Ultimate, le Super Vegeto, le Kaioken. Donc voilà, dans une team avec quelques Saiyans, ça devrait le faire. Donc sur ce point-là, enfin sur ces points-là, il est beaucoup plus intéressant que le Golden Freezer Agi. Et puis il a encore un autre boost d'attaque de 15%. Ça c'est le Fierce Battle. Donc si tu as le Goku Tech, enfin le Goku Divin Tech plus ce Golden Freezer Dokkan, bah ils peuvent se donner 30% d'attaque supplémentaire. Ce n'est pas le seul SSR que j'ai obtenu à travers cette multi-invocation avortée. J'ai obtenu le SSR Beerus Tech. Très très bonne unité. Dokkanable, une fois que tu l'as Dokkan, bah, il va être beaucoup plus violent. Pour l'instant, je suis en galère de médailles. Je sais plus, je crois que c'est ce qui manque, c'est les médailles, le vieux Kai. J'ai plus de médailles vieux Kai, donc je peux pas le Dokkan pour l'instant. J'ai les médailles de son event, mais je n'ai pas de quoi l'éveiller. Alors par défaut, il gagne 50% d'attaque supplémentaire dès le début, et puis une fois que tes PV passent sous la barre de 30%, il se transforme. Alors le passif, ce passif de transformation n'est utilisable qu'une seule fois par partie. Et par contre, quand il se transforme, il devient beaucoup plus puissant. Je crois que son attaque passe à 35 000. Et puis, il lance 3 attaques SP. Le niveau des dégâts dépendra du nombre de kills que tu vas récupérer. Alors, je n'ai pas d'Okan, donc du coup, il me manque quelques liens. Alors, par défaut, il a un lien qui lui permet d'augmenter de 15%. Ça, c'est réservé donc au Whis, au Guerrier Divin. Ok, 15%. Attaque plus 700, ça c'est pas intéressant. Récupération des PV de 5%. Ah oui, ça, mais ça c'est limité au. Au Whis et Champa. Champagne. Ah, je viens de comprendre. Champa pour champagne, ok. Et puis 10% d'attaque pour les innocents. Ouais, bof, il y en a. Enfin, il y a juste le Goten et les Goten qui sont intéressants. Et puis la vitesse époustouflante. Et je crois qu'une fois que tu as Dokkan, il gagne Fierce Battle. Donc Fierce Battle, c'est boost d'attaque de 15%. Et toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as obtenu de bien à travers ce portail. Pour les personnes qui ont obtenu le SSJ3 Gotenks, dites-moi en commentaire quel est votre rang quand vous l'avez obtenu. Comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre un maximum de pouces bleus et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, j'ai ouvert ma page Tipeee. Chaque donation sera consacrée au développement de ma chaîne. Pas besoin de faire des grosses donations, si vous êtes plusieurs à faire un petit geste, ça sera amplement suffisant. Si tu veux voir mes précédentes vidéos invocations, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite.